caméras de sécurité, communication téléphonique relayée par satellite, système de navigation GPS. Les nouvelles technologies tiennent les citoyens sous haute surveillance. On peut s'en inquiéter. On peut aussi s'en réjouir lorsqu'elles permettent de traquer les criminels et de résoudre des affaires d'une extraordinaire complexité. Une mère de famille... Marmar, partagez-les direct, je vais parler. Je parle vers les nombres. Caméras de sécurité. Communication téléphonique relayée par satellite. C'est le sujet des marmots qui passent dans les enquêtes impossibles. Caméra de sécurité, écoutez bien. Marmots n'aimait pas les choses n'importe comment. Le problème des marmots devenu international que même si les enquêtes impossibles, on explique comment on a pu traquer marmots. Les criminels marmots, bah, ils expliquent qu'ils m'ont aimé. Je passe même si les enquêtes impossibles. Ah, watabelele, j'ai dit que je suis un criminel recherché et on m'a attrapé et donc j'ai passé les enquêtes impossibles. Partagez-moi les idées, je vais parler. Je parle avec quoi et les gens, avec les nombres. De sécurité. Comme vous ne me respectez pas, je suis un international criminel. Parce que de toute la vie, de toute la vie de la toi, il n'y a pas eu un faux profil. Qui est traqué comme ma mère traquée. Donc c'est normal que mon cas parte même dans les enquêtes impossibles. Boroki toi, pam, boroki, dam, borosi la toi. Depuis que la toi vit les jours, depuis que les problèmes ont commencé, si la toi, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été traqué ou qui est traqué, comme les marmots verbales, au point que je passe dans les enquêtes possibles. Partagez les directs, je vais parler. Je parle avec quoi et mes gens, les nombres. Communication téléphonique relayée par satellite. Système de navigation GPS. Les nouvelles technologies tiennent les citoyens sous haute surveillance. On peut s'en inquiéter. À cause des nouvelles technologies, on a attrapé maman, on a attrapé maman. À cause des nouvelles technologies, je ne peux pas finir avec les places, il a dit que les gens ne vont pas finir. Je ne peux pas s'appeler sa maman. Pourquoi la cybercriminalité est venue faire comme attrape? Pourquoi? Question qui? Au nom de quoi? Je tiens qui? Je ne sais plus que qui? Mais selon j'ai question. On a des choses à faire, on a des choses à faire. Où est alors le projet? Quand vous avez alors mis la face de ma voix, là, le projet j'ai pleuré. Maintenant, l'oreille, j'ai ri. J'ai fait quoi? Question. Partagez les directs. On peut aussi s'en réjouir lorsqu'elles permettent de traquer des criminels et de résoudre des affaires d'une extraordinaire complexité. Ma grand-sœur Marie-Thérèse Babon ne te dérangeait pas pour les têtes des morts. Il y a les gens qui travaillent, la TKC est une société. La TKC est une société, ma grand-sœur. La TKC est une société. Donc ne te dérangeait pas pour les têtes des morts. Les amis font le travail. J'ai sali tous mes contacts qui sont dans la salle. Mais maman, je ne peux pas vous saluer, je ne peux pas citer vos noms aujourd'hui parce que ni un gardien, ni beaucoup, ni une nombreuse. Balé, mais bon, citer moi et maintenant, je ne vais jamais arriver, mes chers. Dernier, je change de position. Parce que si maman me vient une longueur, je ne suis pas bien assise. Dernier, je change de partagez les directs. C'est quand même moi qui suis en train. C'est quand même moi qui suis en train de faire les directs. C'est quand même la criminelle qui est en ligne. Gabé Bamoura Yong est en ligne. C'est la mauvaise et c'est un gros mauvais. C'est un gros mauvais qui est en ligne. Donc vous devez partager les directs. Je parle vers les nombres. Calmez-vous, les téléphones sont sauvagement scotchés. Les blancs que vous voyez sur les téléphones là, c'est les papiers géniques.
Parce que maman met d'abord le papier, je n'appelle même les scotch. Donc calmez-vous. J'ai dit et je répète que moi, maman, je resterai mystère. J'ai dit, ne vous dérangez pas. J'ai dit que quand vous voyez les blancs faire là, les blancs que vous voyez là, c'est les papiers géniques. J'ai dit d'abord quelqu'un de très intelligent. Mais quand vous moulez, mais ni jam gandar, je suis une fille intelligente. Je suis noble, ma ça. Je représente valablement ma tribu. Quand je m'exprime, même ça se ressent. Même si des fois, je peux faire des lapsus. Je suis une noble, ma ça. Donc, je représente valablement le peuple, ma ça. Et je suis fière de mes origines. Donc, les tengaban, nous ne tapez pas les corps. Ne tapez pas les corps. On dit que laissez les petites bêtes mourir de leur propre poison. Moi, wabi chichi chalabu, wa poison, yap. Laissez-les. Je bois. Je bois quoi? Les meilleurs. On en sait qui est le meilleur. On en sait qui est le meilleur. Je bois. Elle est goûtée ça. Elle est goûtée la bière glacée. Maman, la bière c'est sauvagement glacée. La DSP, c'est un vieux goût. Moi, maman, j'aime la DSP. Pour moi, quand il n'y a pas la DSP, je bois la Henneken. Ah ouais, puis goût, 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 bah, bah, les DSP, tabé. Mais il y a Henneken. On en sait qui est New York. On en sait qui est New York. On en sait qui est New York. On en sait qui est le meilleur. Maman, le seul faux profil qui passe dans les enquêtes est possible. Le seul faux profil qui passe dans les enquêtes est possible jusqu'à le présentateur explique comment on a mis la main sur maman. À bord même. Ah ouais, même traumatisé. Bon, j'ai tellement traumatisé le monde que mon cas a été. On a porté mon cas. On est parti donner à Pierre Belmar des enquêtes impossibles. J'ai dit que mon cas a fatigué tout le monde sur la toile. On m'a tellement traqué. Les misurateurs m'ont traqué. Les ceci m'ont traqué. On n'a pas eu. On a pris le cas de maman Verbe. On a mené chez Pierre Belmar. Parce qu'on connaît que Pierre Belmar, c'est celui qui résout toujours toutes les énigmes des enquêtes criminelles. Parce que le cas de maman est classé comme un cas criminel. Parce que maman tue les gens. Apparemment, maman est une criminelle. Mais j'accepte. On me dit que je suis une criminelle, donc même s'il faut qu'on me juge, je n'aime pas les jugements de Facebook. Je vais seulement partir à la CPI. Mais qu'est-ce qu'il y a au CPI? C'est à la CPI qu'on va juger mon cas. Parce que j'ai fait trop de rosé là, toi. J'ai incité les gens dans les noirs. Personne d'autre n'a déjà incité ici là, toi, dans les noirs. J'ai tiré la vie des gens dans la bougie. Personne d'autre n'a. Yeah, tout ce qui est mauvais, moi, j'ai fait. Est-ce que comme maman incité dans les noirs, il y a quelqu'un ici là, toi, qui a déjà incité dans les noirs? Question. J'ai dit, oh, comme maman incité la mère Jingo, est-ce qu'il y a quelqu'un ici là, toi, qui n'a jamais incité la mère des gens? Question. Yeah, tout ce qui est mauvais, oh, c'est que, oh, c'est les mamans. Maman est dans les problèmes, oh. Maman est dans les problèmes, eh. Maman est dans les problèmes, oh. Voici le moment, alors, les pires de la terre cassée, je vous attends. J'ai dit que les pires de la TKC, les avocats de la TKC, Raïssa a besoin de vous, les avocats de la TKV, Raïssa a besoin de vous, j'ai sauvagement besoin de vous. Et on parlait de mon cas dans les enquêtes impossibles, maman. Ça arrivait là-bas, mes gens. Ouais, là, ça a dépassé. Ça arrivait là-bas chez Pierre Benoît. Oh, les deuils. Oh, les cœurs. Oh, douleur. Douleur, maman. Non, j'aurais un candidat. Maman, tu souffrais beaucoup. Yeah. Et douleur. Douleur, oh, douleur. Qui va attraper les cœurs de maman? Question. J'en veux même, hein, vous. J'en veux même, hein, vous. Qui va arrêter les cœurs? Question, oh souffrance, oh douleur, douleur dans les nems des marmas. Yes, oh. Yes, oh, les marmas verbales. Une mère de famille est retrouvée morte dans sa. Yes, oh, maman, elle est pas. Elle est pas, elle est pas, elle est pas, elle est pas, elle est pas,
La terre, c'est maman dans les problèmes. Maman dans les problèmes. Maman dans les problèmes. Vous êtes où, mes sœurs? Question. Je regarde à gauche, j'ai pleuré seul. Je regarde à droite, j'ai pleuré seul. Devant, seul. Derrière, seul. Pervers, les matières, oui. Question. Toute la terre, quand c'est vous êtes doué. Question. Les sympathisants, ni hey. Question. Les femmes, ni hey. Question. Douleur. Douleur, n'y a minor jour, et les cœurs fait mal, les cœurs saignent. Les cœurs ont mal, les cœurs saignent. Yeah, maman fait mal, tu es dans les problèmes. Oh. Maman fait mal, tu es dans les problèmes. Jusqu'à ce qu'on dit qu'on va payer les gens qui ont les snipers. Bah, c'est même les snipers, les tireurs d'élite. Jusqu'à ce qu'on dit qu'on va payer les snipers, les tireurs d'élite pour venir me tuer ici à New Delhi. Les gens ne se cachent même plus pour faire ce genre d'affabulation sur la toi. Ma sœur, si demain on apprend que ma mère est morte, tu vas discuter que c'est toi. Question, quand tu as vociféré sur ton mur, tu as écrit ton franc anglais sur ton mur, Derek Mahindi, tu as écrit le franc anglais sur le mur que tu vas chercher les gens sur la toi. Non, tu vas chercher les gens en Inde. On va tuer maman. Parce que maman a touché qui? La fille du président de la République. Maman, c'est Brenda que maman a incité. Question. C'est Brenda que maman a incité. Question. Oh, l'innocente là qu'on va tuer fera comment? Question. Charolise, maman est dans les problèmes. Charlotte, maman est dans les problèmes. Charolise, maman, ça cuit. Les passants disent que ça cuit jusqu'à tac. Hé? Tching, on dit qu'un tching. Ça cuit jusqu'à tac. Donc le degré de cuité manque de ça. Ça cuit jusqu'à ça tac. Ça tac, donc ça colle. Le tout salon, c'est le tout diable. Et douleur. Et l'innocente, maman, prépare-toi. Les sœurs de la fille, pardon, tu lis de se préparer. Parce qu'il y a les kalachnikov en route. Maman, la fille du présent a dit qu'elle va chercher les gens en Inde. On va finir avec ta vie. Yeah! Toujours non, t'es maman, les gens vous voulez dire comme ça, pourquoi? Maman, maman là-haut, maman, non, non, que j'ai ri, que j'ai pleuré, question. Que ça, de mon accord, j'ai fait comment aussi dans l'Inde? Maman, pays précaire, et l'Inde, pays précaire, yeah! Je ferai comment ici? Question. Dans ma souffrance et mes crachats, je ferai comment? Question. Ah bon, là, question. Je ferai comment? Question. Parce que les dérives de la saleté ne ratent jamais ses cibles. Les dérives de la saleté ne ratent jamais ses cibles. Quand elle cible sa personne, elle ne loupe jamais. On a bien vers les cadenas d'Aïkou, les dérives de la saleté. Eh, dérives Mahindi, dérives Mahindi. Maman Mahindi, ça, nous pathologues, nous pathologues, ma dérive pote. Saleté. Saleté, saleté. On appelle ça qu'un dochi, dochi, mais tu On appelle ça ambassade que les bons quels. Les quels pourris dans une conversation non-sense qui n'a pas de sens. Maman, tu as tué combien de personnes dans la toi? Question. Non, bourbang. Maman, c'est toi ce qui incite les qui de maman? Question. Maman, c'est toi ce qui incite les enfants déjà? Question. Maman, c'est toi ce qui publie les balles déjà? Question. Crucifiez-moi là, que la personne qui n'a jamais fauté lance la première pierre. J'ai envie de voir tous les faux profils, que ce soit les camps adversés. Que la personne qui n'a jamais fauté lance la première pierre à maman. Parce qu'aujourd'hui c'est maman contre la guerre. Ayons quand même la solidarité des faux profils. Parce que le travail que maman fait sur la toile, nous faisons tous le même travail. Même si nous n'appartenons pas à la même team. Et on commence à se dater des faux profils. Oh. Parce que quand Derek de Mahindi commence à publier un faux profil, est-ce que ça va s'arrêter si maman? Question. Qui sera la prochaine? Question. Et quand même la soldat, t'as des faux profils, non? Est-ce que j'ai cité Selmeko? Bah, mais seulement t'as ma cible à toi. Aujourd'hui, encore on a publié mon père. Les couples de paix.
On a publié mon père les coupes et les plaies. On a froissé les visages. Et les couples gentils. Les couples des gays, des pertés. Les couples des gays, de la tête cassée. Je bois. Bah, mes gens, les médiocres. Écoutez ça. Écoutez ça. Bah, ça va encore aller à Mormané. Bah, les mourawors, mais si quelqu'un ne mourait pas. Bah, les mourawors, mais si quelqu'un ne mourait pas. J'ai dit aux mes gens, quand vous vous asseyez, je m'adresse, je ne prononce pas les noms. Mais les concernés vont se reconnaître parce que je vais aller bien élément. Je ne me presse pas parce que je sais une chose, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans mes directs. Et c'est ça le mystère. C'est pourquoi les gens ne veulent même pas connaître qui est derrière maman. Parce que peut-être les jours qu'on va voir maman, ils n'auront plus cette envie-là. C'est ce côté mystérieux, en fait, que les gens aiment si maman. Parce qu'on s'est posé mille et une questions. À quoi ressemblait-elle? Mais si c'est cette fille-là que vous avez publiée, une belle fille comme ça, comment elle fait pour changer sa voix? Question. Yay! J'ai dit, oh, mes gens, aujourd'hui, on traite mon couple de tribalistes. Hey, moi, maman, je parlerai toujours vers les Genèses. J'ai dit, oh, je parlerai toujours vers les Genèses. J'ai dit, oh, aujourd'hui, vous traitez le couple d'hypocrites. Vous allez vous reconnaître parce que je ne suis personne. J'ai dit que l'usine de fabrication est fermée. Mais tu as même pour visibilité. Maintenant, je prononce les noms quand je vais. Maintenant, j'ai même peur de prononcer les noms parce que, comme je passe déjà là-bas dans les enquêtes impossibles, one day, one don't pay me kakak. Donc, je ne peux même plus tenter. Maintenant, c'est sobriquet. Je ne prononce plus. J'ai dit, oh, je ne prononce plus. J'ai dit, quand les membres de votre team traitent les couples de paix, d'un couple hypocrite, et que ça entre dans vos oreilles, vous vous sentez comment en question? Ah ouais, bon, là, vous faites comment pour accepter qu'on humilie ce couple de cette manière? Question. Est-ce que vous avez la crainte de l'éternel? Nous sommes tous des pécheurs. J'ai dit, je répète, la personne qui n'a jamais cité ceci là, toi, prenne la pierre et jette si maman. La personne qui n'a jamais fait la vidéo dans les noirs en incitant quelqu'un d'une team contraire, prenne la pierre et jette si maman. Parce que moi, on publie un faux profil, je vais trembler. Si cette femme-là est réellement maman, même moi, même si je ne suis pas du côté de maman, je vais trembler parce que cette personne est néfaste. Cette personne est néfaste. Quand vous vous asseyez dans vos directs, vous aboyez. Vous racontez que le couple est hypocrite. Que c'est une affaire de ça. Quand vous appeliez le couple, dites la vérité aux membres de votre team. Hein? À peine dites la vérité à vos gens. Parce que c'est trop facile de se placer devant, je ne sais pas, 50, 100, 1000 personnes et insulter les gens. Attendez un peu. Attendez un peu. Quand vous vous placez devant des milliers de personnes qui sont en train de chier les caca ici, ouais, est-ce que j'ai incité quelqu'un? Mais Sol Mourna, est-ce que j'ai incité quelqu'un? Je ne bois pas de l'eau, c'est en train de boire la despé. Je ne bois pas de l'eau, je bois la despé. J'ai dit, oh, quand vous vous asseyez pour publier, enfin, pour parler de ces couples, est-ce que vous avez la mémoire, vous avez la conscience tranquille? Parce que ce couple a soutenu toutes les stambres à cata de cette étoile. À cette époque, quand vous appeliez le couple pour dire au couple que vous avez des problèmes pour sécuriser vos comptes, le couple envoyait l'argent, il n'était pas tribaliste. Question. J'ai dit que vous allez vous reconnaître. C'est trop facile de traîner les gens dans la boue. C'est trop facile de traîner les gens dans la boue. C'est trop facile de traîner les gens dans la boue.
disais à ce couple que, grand frère, j'ai le problème pour sécuriser mes comptes. Le couple vous envoie l'argent. Ce n'était pas un couple méchant. Ce n'était pas un couple hypocrite à cette époque. Et vous êtes allé plus loin, je rappelle. Vous êtes allé plus loin. Vous avez demandé qu'on sécurise les comptes d'un de vos soldats, un faux profil comme maman. Quand maman met les laitiers pour que les gens payent pour ces millions, vous trouvez que c'est méchant. J'ai déjà demandé l'argent pour sécuriser mon compte. Mais vous avez pris votre temps, votre téléphone. Vous avez appelé les couples. Vous avez dit au couple que votre colonel a un problème pour sécuriser les pages. Le couple n'a pas envoyé l'argent. Question. Quand vous vous asseyez pour salir ce couple-là, quand vos gens s'asseyent pour dire que ce couple est hypocrite, quand vous entendez ça, vous ressentez comment? Question. Dites-le la vérité que même dans leur hypocrisie, dites-le la vérité que même dans leur hypocrisie, ils vous ont quand même tendu la main un jour. On appelle ça l'humilité. On appelle ça la reconnaissance. Quand il vous tendait la main, il n'était plus le bassin. Est-ce que vous êtes bassin? Question. J'ai dit, oh, quand ce couple vous tendait la main, il n'était plus le bassin. Subitement, ils sont devenus les bassins. C'est devenu une affaire de tribaliste. Que le couple est derrière pépé parce que c'est l'emploi. Non. Souvent, quand vous faites les choses, dites la vérité. Parlez de Genèse. Quand vous faites les choses, dites la vérité. Ce couple a tendu les mains à toutes les temples à quatre de cette étoile. L'autre avait eu son anniversaire à Lille. L'autre avait eu son anniversaire à Lille. Elle se rappelle. Ce jour, le couple l'a aidé. Parce qu'elle était en difficulté. Même quand on incite quelqu'un, reconnaissez quand même les bons côtés. Même quand on incite quelqu'un, reconnaissez quand même que cette personne-là, malgré tout, ne prenez pas la couverture. Parce que vous dites que tribaliste, quand il vous donnait, il n'était pas tribaliste. Quand il vous donnait, il n'était pas tribaliste. Vous vous aboyez pendant des heures à cause de la paix. Vous aboyez pendant des heures parce que la doudou, tata doudou a fait la paix avec sa sœur. Vous qui avez insulté le qui de la maman de cette femme. Vous qui avez insulté le qui de la maman de cette femme. Elle vous a pardonné. Et ce vrai problème avait commencé avec les mouches. Quand elle a dit que je te pardonne. Oui, c'est là où ces vrais problèmes ont commencé avec les mouches. Nous sommes sur la toile, nous suivons les Genèses. Aujourd'hui, vous êtes outrés parce que cette même femme fait la part avec Pépé, mais elle ne vous connaît pas dans le réel. Elle connaît Pépé dans le réel. Ça pouvait faire les années que ça pouvait faire, mais tôt ou tard, elles allaient s'arranger parce qu'elles se connaissent. Elles se sont touchées. Elles ont mangé dans les mêmes plats. Mais vous êtes terrible quand même si c'était toi, hein. Jusqu'à vous placer à boyer, montrer comment vous êtes tellement énervé. On a tous compris que c'est cette paix-là qui vous énerve. Quand vous avez fait la paix avec cette dame, la tête qu'elle s'est bronchée, question, n'a même pas fait un direct. Perpétue n'a même pas fait un semblant de direct. Vous montrez réellement quel genre de personne vous êtes. Parce qu'en allant demander la paix à cette femme-là, vous vouliez montrer que vous êtes bien. Perpétue est mauvaise. Vous êtes bien parce que vous avez cité le cri de la maman et vous avez demandé pardon. C'est que vous oubliez. Ce que vous oubliez, c'est que Pépé n'a pas ouvert la bouche pour dire que le gros cul de la maman là, jamais de la vie. Ce que vous oubliez, c'est que Pépé n'a pas ouvert sa bouche pour dire que le gros cul de sa maman à cette maman. Mais vous, vous l'avez fait. Et malgré ça, elle vous a pardonné. Mais aujourd'hui, quand elle doit faire la paix avec sa sœur, ça vous fait mal. Vous avez cru quoi? Qu'elle appartenait à votre team, à votre team. Pendant qu'elle venait dans mes directes palettes, elle partait dans les vôtres. Vous nous avez vu nous plaindre, question. Est-ce que vous nous avez vu nous plaindre? C'est vous qui dites que Pépé est née. Maintenant qu'elle décide de faire table rase, elle ne veut plus être née. Elle arrange les problèmes avec sa grande sœur. C'est notre problème. Oh là là, la toi. Oh la toi. Donc ça vous plaisait.
Les tensions qui avantent les grands, grands et petits, c'est... Oh là là! Yay! C'est gâté, hein? C'est mauvais. Chacun va voir de ses propres yeux. Il m'aime. Il est mouranté, il m'aime. Chacun va voir de ses propres yeux et ira lui-même faire son propre témoignage. Oui, il faut que tout le monde voie. Bon, Dieu, il y a des aînés. Qui sont les aînés s'il a toi? Vous vous placez, vous pouvez même avoir une crise cardiaque. Tellement vous parlez, vous aboyez. On a l'impression que votre souffle va se couper. Au nom de quoi? Yay! Ayez quand même honte, vous affichez quand même votre jalousie. Tout le monde voit que vous êtes jalouse. Ça se voit, ça saute à l'œil. Faites quand même un peu d'hypocrisie de temps en temps. Ça, c'est ce qu'on appelle à Yaoundéke l'ivou. Ça, c'est l'ivou. C'est la haute sorcellerie. Vous ne vous cachez même plus. Je dis que tout le monde qui a écouté votre direct a dit que mais c'est pas possible ça. Pourquoi la paix de perpétuer avec cette femme-là fait trop de mal? Je dis qu'est-ce qui se passe? Donc ça vous plaisait que cette femme, est-ce qu'ils sont restés plein de 3 ans sans se parler? Il y a bien un moment où il faut que tout s'arrête. On ne peut pas se détester toute la vie. Parce que même avec l'ingo, il y a un moment où il y a eu la trêve. Il ne peut pas faire la paix avec elle. À un moment, il faut quand même faire la trêve. Est-ce que les gens peuvent se détester toute la vie? Ça, vraiment. Oh. Oh. C'est gâté, hein? C'est mauvais. Je bois. Bah, les New York. Hey! Hey! Mon Dieu! Hey! Hey! Je vous ai dit quelque chose ici, là, toi. Les masques vont tomber, les masques ne font que tomber. Les masques vont tomber, les masques ne font que tomber. Délit de la saleté, quand je dis aux gens que tu as besoin d'attention, tu es tellement mal dans ta peau. Délit de la saleté, les gens, tu as besoin d'attention. Délit de la saleté, tu marches de team en team parce que tu as besoin d'avoir une visibilité. Quand la visibilité là te rate, les masques tombent. Yay, délit de la saleté. Aujourd'hui, tu vas porter une photo où tu étais dans le coma de 2010. Tu viens mettre sur la toile qu'on doit faire coma et question. Tu étais dans le coma, tu es sorti, non? Donc tu as besoin qu'on vienne encore dire que ouais, ma sœur, ouais, mais entre encore dans le coma. Tempe job qui est coma. Maintenant, le tempe job qui est coma. Pourquoi tu n'es même pas morte? Question, nous qui vous voyons. Derek m'a dit, Derek de la saleté, tu peux prendre une photo de 2010 où tu étais dans le coma. Tu as besoin de quoi? De la sympathie des gens. Ça prouve que tu es une femme seule. Mettez les cœurs, hein, partagez les directs. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ça prouve que tu es tellement mal dans ta peau. Parce que quand on est dans le coma, c'est des images qu'on ne garde pas. Mais pour toi, comme c'était une publicité, parce qu'apparemment, tu étais passé dans une télé, tu as gardé ça comme le trophée. Tu as gardé ça comme un trophée. Alors que c'est des images qui sont choquantes. Quand quelqu'un entre dans le coma, tu as la chance d'en sortir. Tu gardes les pareilles images, pourquoi? Question. Un terrible gomme qui gomme, n'aime les choses de la mort. Tu gardes pourquoi et derrière ma hindi? Question. Toi, les machins, c'est qui transpire comme les bifles. Les machins, c'est qui a le gros ventre comme quelqu'un qui atteint du poids chocor. Les gros ventre comme quelqu'un qui atteint du poids chocor. Derrière de la saleté, tu gardes les pareilles images pour quoi? C'est des images qui sont traumatisantes. Malheureusement, malgré même que tu aies posé cette image-là, je ne vois même pas 20 commentaires. Mais t'es bête, donc tu n'as aucune sympathie. Parce qu'on sait que tu es fake.
Délit de la saleté, tu es fake. Tu n'as aucune sympathie. Tu t'es clashé sur la toile avec tes cousines à Londres. Tu es tombé malade en Angleterre. Tu as maigri comme quelqu'un qui avait le sida. Tu es tombé malade sur la toile. Tu as maigri. Je vais t'appeler au Vianga Jomajo. Je sais que tu as la pire. J'ai fini, je t'appelle. Tu as maigri comme quelqu'un qui avait le sida. Ta propre cousine qui t'a porté, délit de la saleté. Ta propre cousine qui t'a porté pour t'amener te soigner au Cameroun. Quand tu arrives en France, en Europe, en Angleterre, tu as porté son nom, les insultes. Hey, Mouraya, tu vois ma bombe, ou tel, ben, je parlais ça hier comme si je savais. Mouraya, tu vois ma bombe, ou tel, ben, quelqu'un te soigne les pieds. Quand tu te lèves contre ta personne. C'est ta propre cousine qui t'a enlevé dans la mort quand tu étais malade. T'as mené au Cameroun. On t'a soigné. Tu l'as clashé. C'est ma maman que tu ne vas pas clasher. Amourandje. Et ma pamlane. On appelle ça en doigt là que ma pamlane. Tu pamla. Et ma pamlane, woman. Donc tu me dis saleté. Et ma pamlane, woman. Ta propre sœur, le sang de ton sang, qui t'a amené à l'hôpital au Cameroun, chez le tragique praticien. Quand tu t'es rétabli, c'est son nom qui était à Londres. Et ma femme l'année. Une fille qui. Elle fait comme quelqu'un qui a fumé les dépas, qu'on a fermenté pendant une semaine. Attends, je te prends au Vianga. Je vais continuer après. Emma Pam Lane, woman. Tu Pam, on appelle ça que Emma Pam Lane. Ma sœur accepte. Ma sœur. N'écoute pas ça. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, ma sœur. Voilà. Merci. Je suis de retour. Je ne sais pas ce qui se passe avec les sapacs sur la toile. Je suis resté calme depuis un moment, depuis que maman Pépé a décidé de quitter les clashs. Vous voyez mes apparitions de moins en moins maintenant. Mais maintenant, depuis l'anniversaire, je ne sais pas ce que les sapacs Ngondele cherchent. À pipi, un bon élan et nos ozout. À sapac, sa chienne va. Tu as appelé ici à la barre. Après, c'est un tepe. Un bourré lang et nose. Je te dis ça aujourd'hui. Tu as fait un semblant de poste une fois là pour demander les excuses à Magma. Donc, c'était parce que tu la calculais, tu tendais les pièges. Et lang à zout. Un bourré lang. Vous deux là, les sapacs là. Je vais traiter votre fort comme ici là. Sa chienne va. Tu es qui? Parce qu'on vous laisse toujours. C'est toujours parce qu'on vous laisse. Hein? À pipi. C'est pas toi qui avais insulté la maman de Doudou Ngamba. Tu penses même qu'elles ont même déjà oublié ça. Ngamba t'attends. Tu auras la savate méritée. Et l'angazout. Avec un brindis de pied là. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu penses qu'on a oublié ça? Tu penses que c'était même trop facile pour toi de demander pardon? Jusqu'à tu t'en vas aboyer sur Instagram parce que la paix te fait mal. Oui, oui, Tata Doudou a fait la paix avec sa soeur. C'est sa petite soeur. Elle ne se connaît pas ici, là, sur la toile. Elle ne se connaît pas sur la toile. Vous avez tout fait pour mélanger. Voilà l'eau de Lourdes. Voilà les toits à Lourdes. Le résultat de ça. 365 degrés de quatre mains, là. C'est au Tamo. Tout ça, ce n'est même pas toi. C'est le clitoris que Otam avait avalé là. Il va venir remettre le sale clitoris là pour que tu reprennes un peu les idées. Que tes idées soient un peu claires. Sale chienne. Et langazout. On boit et langazout. Je te dis ça à pipi. À pipi. Tente encore d'aboyer. Tu parles de quel couple? Le couple de paix. Idiote va. Tes comptes sécurisés. Tu demandais l'argent où? Tu commandais l'argent où? Aujourd'hui, vous traitez le couple de paix, le couple de quoi? Imbécile! Imbécile! Maintenant, même la Tonganaise
commence déjà à voir ton sale visage là. Sale chienne, va. Reviens ici. Ne pas aboyer sur Instagram. Viens aboyer sur Facebook si tu es une femme. À pipi. Un bordel lent et non autre. Un bordel lent. Parce que je vous ai laissé depuis un moment. Vous pensez que vous allez péter comme vous voulez? Hein? Vous pensez que vous allez péter comme vous voulez? Toi là, un peu. Un peu. Je t'ai demandé de te calmer. J'étais venu commenter sur ton poste de demande d'excuses. J'ai dit que oui, tu agis comme une personne qui veut la paix. J'ai dit que tu agis comme une personne qui était une grande fille. Donc à cause du gâteau, tu veux recommencer les mêmes choses que j'avais vues. Chauve-souris Mbarga. Commencer là-bas chez Ma Beauvais. Hein? Maman Perpé a dit, anniversaire à qui veut s'y rendre. Il fallait que toi, on t'envoie un billet spécial. Moloneza, tu es quoi? Un tepe, tu es quoi? C'est toi qui as 4500 projets. Tu es dans l'humanité. Tu es chez les orphelins. Tu es dans les import-export. Yeah! Donc, c'est toujours parce que tu travailles avec les Nadja que tu crois que tu vas traquer maman ou bien qui que ce soit de la TKC. Reçois ton élan azout ce soir. Un bon élan et non azout. Et si tu ne te méfies pas, on va t'envoyer en psychiatrie. Élan, tu es qui? Je pensais même qu'elle était une grande fille. Jusqu'à je l'ai encouragée dans son sale poste à la con de paix là. Donc, c'est parce que tu piégeais Magma. C'est parce que tu piégeais Magma. Vous êtes qui? Toi seul, tu déprimes. Toi seul, tu t'es attaqué à presque 4 personnes. Te voilà qui recommence avec Christo la machiavélique. Celle-là va te titiller encore les méninges. Tu vas seulement aller direct à l'hôpital. Tu parles de Rangoula, tu la vaux. Et lent et non aux autres. Je te dis, et lent. Et si tu tentes ce que tu veux faire là, parce que c'est maman Pépé que tu es en train de calculer. Et si tu tentes, si tu t'y avises, mais on y a un imbécile avec ses sales poils blanches. Tu es qui? Je vais vous puger ici avec l'Iloba. Un bon élan. Tu es quoi? Je vous dis ça aujourd'hui. Faites vos sales pépettes là comme ça là. Ndongo pute, tu t'es déconnecté. Hein? Pour toi, je ne sais même pas encore ce que je vais dire ce soir. Ndongo pute, mais tu ne vas pas m'échapper comme ça là. Quand tu avais écrit la lettre à la préfecture, Ndongo, de toutes les façons, je dois encore avoir toutes les informations à ton sujet. Œil de cobra. Oui, mais nyaïm, vous allez me sentir. Je dis que l'eau de Tata Doudou de Lourdes là va seulement vous mettre à nu one by one. One by one. Celle de Pipi là, à Placali Sauce Gombo, sa chienne va. C'est quelqu'un qui t'avait envoyé te faire avaler le clitoris Chotam. Hein? Regardez-moi cette saracolée là. Imbécile au carré. Je reviens Kota. Ma sœur, on dit que les gens aiment les hommes, aiment les Congos. Ça, c'est la jusqu'à commenter. Yé, ma sœur, on vient gâteau, papa, Jobadjo. On vient gâteau, papa, Jobadjo. On vient gâteau, papa, Jobadjo. On vient gâteau, papa, Il n'y a que les talents dans la team de Pépé. Allez boire ceci, Docs, si ça vous énerve tant. Qui ne rêve pas d'avoir ce genre de talent dans sa team? Question. Djagwe Bengo. Qui ne rêve pas d'avoir ce genre de talent dans sa team? Quand le vient à qui? Djobadjo. La sœur de qui? De moi. Et quand vous partez même mentir à vos gens. Tellement cette femme est tellement jalouse de cette paix. Elle dit carrément que les couples la va appeler pour dire qu'ils doivent faire la paix. Mais dis à tes gens que les couples t'avaient appelé il y a 3 ans.
Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas la paix que les doudous sont en train de faire là. Ce n'est pas à ce moment qu'ils t'ont appelé. Ils t'ont appelé quand il y avait les problèmes avec ma bongo, à cette époque-là. Quand tu as eu les problèmes avec ta sœur, c'est là où le couple t'a dit que non, ne fais pas les problèmes avec ta sœur. Mettez-vous ensemble pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas aujourd'hui. Ne fais pas croire que c'est aujourd'hui là qu'on est en train de faire la paix avec les couples, les doudous et Ngamba. Que les couples t'ont appelé, non, ne manque pas. Ne te joue pas les importances. Ne te joue pas les importances. Quand vous parlez, parlez la vérité. Parce que vous parlez des gens qui sont sur la toile comme vous. Arrêtez de mentir sur les gens qui sont vivants. On ment sur les cadavres, on ne ment pas sur quelqu'un qui vit. Parce que quelqu'un qui vient à la bouche pour parler. Coucou Anna Ngamba, ma tante. On ne ment pas à quelqu'un qui vit parce qu'il a la bouche pour se défendre. On ment à quelqu'un qui est mort. Quand vous mentez, mentez bien. Quand vous mentez, mentez normalement. Ne partez pas mentir que les couples... Oui, les couples vous avez appelé, mais quand, question, donnez les vrais jours, la vraie date. Il y a peut-être 3 ou 2 ans, les premiers problèmes que tu avais, il y avait pépé. Avec l'histoire de ma bongo, c'est là que les couples t'avaient appelé. Pourquoi vous aimez mentir comme ça? Nous, chacun veut seulement se montrer. Donc les couples, là, c'est votre serpillère. Les couples, là, c'est votre serpillère. Bonjour, ma grande sœur, Kwanye Blessing Queen. Vous voulez aussi montrer que, jusqu'à dire même que, moi, j'ai dit que zéro paix. Qui t'a d'abord demandé la paix, question? Pour dire que zéro paix. Il faut d'abord que quelqu'un vienne te dire que j'ai besoin de que tu me pardonnes. Qui t'a d'abord demandé la paix? Question, Jambaroué. Oh là là, les matchs vivent ça. Oh là là, vous mentez sur les gens qui sont vivants. Les gens qui ont une langue, les gens qui ont une bouche pour parler. Bon, ben, pour le manioubabé. Yeah, un peu de tennis. Un peu de tennis dans vos mensonges à la con. Chacun veut monter, bangali bak. Les massages disent que bangali bak. Les paraître. Je ne sais pas. Ton bangali bak est paraître. Monter la grandeur. Qu'on t'a appelé. Hey, maman. On t'a appelé quand donc? Question. On t'a appelé quand donc? Question. Même les transferts d'argent qu'on vous a fait, on a gardé les prévus. Parce qu'on connaît que vous êtes les bipolaires sur la toile. Demain, vous viendrez nier. Bon, Soulou Grenadine a l'air et chaîne, quand les sons congelés, Soulou Grenadine, ma belle, ma top orange. Yes, oh, arrêtez de mentir sur les gens qui sont vivants. Ni wab tembe, arrêtez les mensonges. Les mensonges prennent l'escalier, prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Bon, ma belle, tembe, les choses qui manquent même en plein soleil, vers la canicule. Les choses qui manquent même vers la canicule. C'est la paix anniversaire qui fait sortir tous les démons, Léonie Mathieu. C'est la paix anniversaire qui met tout le monde dans cet état. Nous comprenons donc que tout le monde était content quand Pépé était en froid avec sa sœur. Oui, mais ils ont fait près de 3 ans de haine. Et cette haine, la personne incitait l'autre. Personne ne lançait les piques à l'autre. Oh, Seigneur. Je dis que j'attends seulement qu'on vienne m'attacher ici en Inde. J'attends seulement qu'on vienne m'attacher ici en Inde. On me met seulement dans le Sarbanjo, dans le Mukuta. Et ma femme l'année, je t'attends. Mon femme là, et ma femme l'année. Donc tu me tues. Détigue, sale fille, je t'attends. Délit de ma Inde, délit de la saleté. Et ma femme l'année, je t'attends. Si en Inde, à nous délit, je t'attends. Pouillon. Tu parles celle-ci dormir. Tu parlais celle-ci, Tommy, comme princesse, la même princesse de l'éternel qui est ta sœur, ta copine, puis on va toi, princesse. Quand tu as commencé à vouloir me clasher, tu as dit que non, ne fais pas ça. Tu as même désiré ta propre sœur. Parce que quand ta copine, ta meilleure copine aime quelqu'un, tu fais même l'hypocrisie. Tu fais même l'hypocrisie.
Aujourd'hui, tu écris les noms des personnes, l'éternel sur ton mire. Elle va aussi bouffer les djanguis. Tu écris les noms des compresseurs. Tu écris les noms du couple. Que ces gens-là t'ont fait quoi? Question. Quand tu venais soutenir X ou Y, qui t'avait appelé, Mouram Sebe, ouais. C'est comme ça que tu es parti chez Nathalie Kowa. Tu dis que tu soutiens. Tu as ouvert le groupe de la sorcellerie. Tu as ouvert le groupe de la sorcellerie. Nathalie Kowa t'a chassé elle-même. Parce que tu es venu vers la sorcellerie. Les démons. Où? Un mauvais roux. Ton roux est trop développé. Ton roux est trop développé. Ton niveau est développé. Toi, les délits de la saleté. Inspecteur Colombo de Mahindi. Inspecteur Colombo de Mahindi. De la saleté. Tu fais les postes sur ton mic qui commente. Maman, tu souffres de démence. Ya. Tu as la démence en toi, tu souffres de démence. Ya. Parce qu'un être normal, humain, ne peut pas prendre les photos du coma. Quand tu sors du coma, ça veut dire qu'on te donne une autre chance de te racheter. Hey, Kenge woman, Ndoji Mndjui. Quand tu sors du coma, ça veut dire que même le Seigneur t'a donné une dernière chance. Tu n'as pas de chance, c'est l'ivou dans la vie des gens. Question. J'ai dit, oh, t'as pas de seconde chance qu'on t'a donné, c'est vous. Tu es millionnaire, comme tu dis, milliardaire, et tu vis dans le studio. Un goribolongo, les boutons de la saleté sur le visage. La femme qui respire comme les bêtes qu'on veut égorger. Ben, fais-nous le bilan de tes années en Europe. Quand on demande les laitiers, tu vis où? Tu vis dans la cage à souris. Tu vis dans une cage à souris. Ce n'est pas la première fois que tu baises tes... Tu as ta propre sœur qu'on a... Toi, dérive de la saleté, tu as envoyé la police chez elle. Tu parlais de paix pour qu'on retire ces femmes. Derrière de la saleté, tout l'ombre est dans les directs. Parce que les gens ont ton macabre. Derrière de la saleté. Derrière de la saleté. Toi-même, ta propre sœur, tu penses, Pépé qui n'est même pas ton sang. Qui n'est même pas parenté avec toi. Qui n'est même pas ton sang. Combien de fois quelqu'un qui est ton sang, même. Combien de fois quelqu'un qui est ton sang, même, tu as envoyé la police chez elle, derrière ses enfants. Tu parlais de paix, tu connais la paix, toi. Tu connais la paix. Posez Nathalie Kowa ici, là, tout le monde a vu. Quand tu venais la soutenir, tu avais appelé. Amoura Mahidi, Amsebe, ouais. Comme Mahidi, Numbatologue, pourri, tu bongo, et sang comme les pauvres pourris. Bongo, tu avais appelé. Amsebe, ouais. Bon, yoma. Une chose qui est partie, les tourments qu'on a, c'est les gardiens. Une chose qui est partie, c'est malade vers les tourments qu'on a. Les tourments, les gardiens des boîtes de nuit à Dubaï, les banques sans les portes. Les tourments qu'on a, tu t'es marié avec un tourment qu'on a. Les banques sans les portes de Mkong. Verbal, quelqu'un qui épouse les tourments qu'on a. Quelqu'un qui épouse les tourments. Les vider. On paye un vider combien à Dubaï. Elle gagne combien? Ce n'est même pas un vider de Bengsi. Ce n'est même pas un vider de Mbengsi. Vider d'où? Tu te lèves et tu parles.